Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans cet épisode 38 d'Au coin du Blu-ray. Épisode 38 donc consacré à la lettre S, puisqu'on a fait le tour de la lettre R. J'aurais pu rester dedans, honnêtement, mais je me serais un peu perdu, et c'est surtout qu'il y a pas mal des films que j'ai dans la lettre R que j'aimerais bien pouvoir ressortir dans d'autres concepts d'émission. Donc du coup, j'ai décidé qu'on allait s'attaquer à la lettre S. Alors dans la lettre S, j'ai de tout. Mais vraiment de tout. J'ai Suspiria de Luca Guadagnino. C'est un film dont j'ai déjà eu l'occasion de parler sur la chaîne, donc je ne voyais pas vraiment l'intérêt d'y revenir. J'ai la saga Ghostbusters, SOS Fantôme, donc en version française. Voilà, j'aurais pu l'évoquer, mais je crois qu'il y a un autre volet de la saga Ghostbusters qui est supposé sortir en fin d'année, donc je ne vois pas trop l'intérêt de l'évoquer ici. Et donc du coup, j'ai décidé de parler d'un film d'épouvante dont j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer le travail ici sur cette chaîne. Mais je l'avais fait à une époque où j'avais pas forcément l'occasion de vraiment me pencher sur les détails d'une œuvre que je trouve assez fascinante dans son genre. Un film d'épouvante qui m'a vraiment tétanisé lorsque je l'ai vu au cinéma parce que c'était la période où je regardais beaucoup de films d'horreur, où j'étais pas souvent surpris, où j'étais quelqu'un de déjà conquis par le genre, mais où j'avais envie de réellement avoir des frissons. Et c'est là que un certain Scott Derrickson, déjà habitué du cinéma d'épouvante, a décidé de dropper Sinister. Et Sinister, ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant peur dans une salle de cinéma que devant ce long métrage. L'histoire, c'est celle d'Ellison, qui est un auteur de romans à succès, qui base souvent son fonds de commerce sur des histoires assez terrifiantes des États-Unis, et qui décide donc d'embarquer sa famille dans un petit bled paumé, dans lequel il y a eu une famille qui a été entièrement assassinée, et dont un des enfants est porté disparu. Et Ellison se dit que c'est une bonne idée d'aller embarquer toute sa famille dans la maison où cette famille a été assassinée. Ce qui m'a fasciné la première fois que j'ai vu Sinister, c'est réellement la maîtrise avec laquelle Scott Derrickson a su pousser un certain cinéma de genre dans une direction vraiment horrifique, tétanisante. C'est pas si facile que ça, finalement, de faire de l'horrifique tétanisant. L'horreur, c'est quelque chose d'assez sommaire. Si on part sur le papier de l'horreur, vous mettez 2-3 jumpscares, vous mettez quelques effets gore, vous installerez une ambiance, et c'est bon, le spectateur est dedans. Mais l'horreur tétanisante, c'est vraiment quelque chose devant lequel on a du mal à rester simple spectateur, devant lequel on va vraiment avoir une espèce de côté tétanisant, donc où on va vraiment s'arrêter de respirer, où on va rester presque suffoqué par l'action qui se passe. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans Sinister. Sinister est un film où l'ambiance, la puissance des images, la construction avec laquelle le cadre se met en place et les interprétations sont faites de telle sorte à ce que le spectateur n'ait pas du tout envie de décrocher de ce qui se passe à l'écran. Et réellement, je trouve que Scott Derrickson arrive à amener ça au sein de Sinister. Pas toujours avec subtilité, pas toujours avec finesse, mais honnêtement, les séquences avec les films en Super 8 et de nombreuses scènes vraiment d'épouvante pure sont maîtrisés dans ce long métrage, mais réellement maîtrisés à un point où par instant j'ai eu la sensation de voir quelqu'un qui voulait réellement renouveler le cinéma de genre. Ça s'est pas confirmé par la suite parce que je ne vous invite pas à voir Sinister 2 qui pour le coup lui balance des jumpscares mais qui sont putassiers comme c'est pas permis et qui sont jamais subtils. Scott Derrickson par la suite changera assez radicalement de style pour s'orienter vers Doctor Strange, donc il ne choisira pas d'explorer un petit peu plus cette veine-là. Ce qui est un petit peu dommage parce que réellement je pense qu'il aurait pu apporter quelque chose. Je pense pas qu'il aurait pu s'inscrire dans la même veine qu'un James Wan, mais parce que c'était pas son ambition de base. Son ambition de base, c'était réellement d'amener un cinéma qui soit extrêmement intense, extrêmement pur dans ses effets. Et forcément, cette pureté, elle est mise à mal par une construction narrative qui est assez sommaire et une ambiance globale qui, même si elle est très efficace, manque quand même de concret. Parce que par instant, on va avoir un peu l'impression, on va pas se voiler la face, que il manque un petit truc dans Sinister. Il manque un petit quelque chose de plus, une meilleure construction des personnages, une meilleure manière d'amener tous les retournements de situation, parce qu'il y a beaucoup de retournements de situation qui sont amenés dans le métrage, que je trouve pas très subtil. C'est sauvé en grande majorité par la présence extrêmement charismatique à l'écran d'Ethan Hawke, qui, je trouve, a quand même un visage et une posture dans son métrage qui est fascinante. Réellement, il a une posture dans le film où je le trouve extrêmement charismatique et extrêmement juste, mais de toute façon, Ethan Hawke est un immense acteur
Et je pense qu'il est important de le rappeler, parce que malheureusement en France, on n'y fait pas assez attention. Mais Ethan Hawke, il a quand même fait un paquet de films assez géniaux. Et dans son métrage, vraiment, il ressort comme un atout majeur. Et dans sa grande majorité, Sinister est un film qui, je trouve, mérite d'être regardé rien que pour son ambiance, rien que pour son style et rien que pour son geste. C'est pas toujours fin, c'est pas toujours subtil, mais je pense pas que Scott Derrickson ait envie d'aller dans cette direction. Il a envie d'aller dans une direction qui soit beaucoup plus émotionnelle et beaucoup plus physique que réellement quelque chose de construit, d'intellectuel. Et voilà, c'est pas son objectif. Et réellement, je trouve que Sinister en est la plus belle démonstration. Pas toujours avec finesse comme évoqué avant, mais voilà. Pour moi, ça vaut quand même largement le coup d'œil de voir Sinister de Scott Derrickson. Ça reste quand même une jolie petite perle de genre, ça reste quand même une œuvre assez fascinante par pas mal d'aspects, et ça reste une œuvre qui est maîtrisée. Pas toujours avec subtilité, encore une fois, mais ça reste une œuvre qui est maîtrisée et qui vaut le coup d'œil. J'en ai pas trop parlé, mais honnêtement, en termes de bonus, c'est un peu triste. Il y a juste un petit entretien avec Scott Derrickson, il y a juste quelques scènes coupées, il y a quelques petits bonus autour des auteurs et des histoires de tuerie aux États-Unis. C'est pas fou, mais ça a le mérite quand même d'apporter un petit quelque chose de plus au long métrage. C'est pas dingue, mais ça vaut quand même de regarder un petit peu. Ainsi s'achève cet épisode 38 d'Au coin du Blu-ray. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos expériences horrifiques les plus tétanisantes. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent des meilleurs films d'épouvante, mais les films devant lesquels réellement vous avez eu la sensation que vous ne pouviez pas bouger ou que c'était tellement happant que c'était pas possible de regarder ailleurs. Ces films-là, mettez-moi dans les commentaires et je regarderai ça comme d'habitude. Et d'ici là, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray.